Bonjour, dames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission People Actualité de la Côte d'Ivoire, appelée Fafa. Nous sommes encore là aujourd'hui pour vous donner du bonheur, du plaisir, en vous apportant les actualités news croustillantes qui débattent et qui déballent sur toute la toile. Recevez votre humble serviteur que je suis, Serge de Fallé, la légende. Mais je ne suis pas seul, comme à pour mon habitude, je suis toujours avec mon binôme, l'homme aux questions tonitruantes et le célébrissime Anaconda. Garastafara. Alors, nous vous réitérons encore nos meilleurs voeux, santé et longévité à tous ceux qui nous suivent de partout dans les quatre coins du monde. Continuez de partager les directs, les actualités, Ivoire TV Musique, toujours dans la place. Alors, aujourd'hui, notre invité est un artiste. Mais tout d'abord, avant d'être artiste, il s'est fait connaître autrement. Il est très proche d'une légende, aujourd'hui qui n'est plus. Mais il continue son bonhomme de chemin, il vit à Paris, il est venu spécialement de Paris pour la promotion de son nouvel album, son nouveau maxi single, je le dirai. Alors, aussi controversé sur la toile, beaucoup de polémiques à son actif, beaucoup de paroles, ça va dans tous les sens sur la toile avec lui. Et il est là, il est présent. Alors, dames et messieurs, avec moi, recevez aujourd'hui sur ce plateau de Fafa, pour la première fois en Côte d'Ivoire, Ali Lecaude. Bonjour Ali. Bonjour. Alors, Ali Lecaude, à l'état civil, qu'est-ce que ça donne? À l'état civil, c'est Ndiaye Aliou. Ndiaye Aliou, voilà. Originaire. Je suis d'origine ivoiro-sénégalaise. Ivoiro-sénégalaise. Ah, Anaconda, c'est un métis, hein? Je te dis, hein? Ah bon, d'accord. Ok. Alors, Anaconda, yeah. Notre invité est là, il est présent. Qu'est-ce que... Ali, le code, bon arrivé, t'es très bien habillé. Ouais. Merci beaucoup. T'es habillé, c'est vrai. Merci. Un soupçon de coupé décalé avec un peu de DCBG. Boutalien. Voilà. Ça nous fait rappeler un peu Aliouki, mais bon, enfin. Votre président Aliouki, on nous rappelle un peu son accoutrement. Merci beaucoup. Alors Ali, comment va? Moi je vais très bien. Très bien. Tout d'abord, je vois des balles au style un peu Arafat, tout. J'espère que ce n'est pas des balles que tu as pris à la mode d'Arafat, hein. C'est pas pour non, lui. Non, c'est lui qui me l'a donné. Ah, ça c'est les balles qu'Arafat t'a donné. Tout à fait. Tu n'as pas volé. Jamais. Comme façon, la mère d'Arafat a dit que Olopaka a volé la télévision. Jamais. Toi tu n'es pas concerné. C'est vous allez le voir dans son clip Enfant béni. Enfant béni. Ouais. Et avant sa mort, il t'a offert ça. Il m'a offert ça quand il était à Paris. Voilà. Okay. Donc quelqu'un ne peut pas t'accuser d'avoir volé des objets de Arafat. Jamais. C'est nous, on peut les accuser d'avoir volé nos objets. Waouh. C'est un peu fort, c'est ça. Pas... D'accord. Avant d'entrer dans le fond du sujet concernant Arafat, en fait, ça va, dis-moi, tu es toujours corps habillé ou mais tu as été radié? Non, j'ai jamais été rasé. J'ai fini un contrat de 5 ans. Après, l'armée m'a proposé d'autres contrats. J'ai signé un an. Et après un an encore, et après j'ai arrêté. Oui, mais récemment, Anaconda, Ali Lecaude, tu as déclaré dans une émission de La Place que pendant ton service, tu as abandonné ton service pour suivre DJ Arafat dans sa tournée. Ouais. Après, tu n'as pas été victime de poursuites par rapport à l'armée. Non, j'avais des permissions, des congés. Je posais mes jours. Et pendant que j'étais militaire, je posais des jours et on partait en tournée, on partait en studio, on faisait nos trucs. D'accord. Et après, ça me fatiguait de faire les deux métiers en même temps. Mm-hmm. Donc j'aime la musique. Mm-hmm. Donc j'ai décidé de laisser l'armée pour pouvoir me donner, consacrer mon temps à la en musique. Tant que légionnaire, c'était l'armée française. C'était l'armée donc française. Toi, tu as laissé l'armée française pour suivre Didier Arafat dans Coupé Décalé. Ouais. C'est ça, non? C'est ça. Enfin, la vie, c'est un choix. C'est ça. Il n'y a pas de problème. Et aujourd'hui, tu n'as pas de regrets, hein? Non, du tout. Pas du j'ai tout. Pas de regrets avec Arafat. On a pratiquement fait le tour du monde. Mm-hmm. J'ai vu ce que quelqu'un sur cette terre, même à 150 ans, ne pourra pas voir. Parce que j'ai vécu et la vie est faite pour vivre. Uh-huh. Et moi je suis quelqu'un, aujourd'hui je peux faire un métier A, demain je change, je fais B parce que j'ai envie de changer. D'accord. Aujourd'hui quand on parle de la Yorogang, tu es chassé de la Yorogang, mais tu es toujours dans la Yorogang. Je ne suis plus dans la Yorogang. On t'a chassé? On m'a chassé de la Yorogang. Qui t'a chassé qui t'a de chassé la Yorogang? Bah, Mère Nati a boycotté la Yorogang. C'est qui Mère Nati? Mère Nati, bah, tout le monde connaît Mère Nati, si vous ne connaissez pas Mère Nati peut-être, sinon tout peut-être des vues, mais pas si c'est prénom. Parce que nous peut-être on l'a connu. Mère Nati c'est la mère de notre grand prêtre, d'Ajikan. Voilà, c'est elle qui a boycotté la Yorogang. Et quand elle a boycotté la Yorogang, bah, tout le monde est parti dans divers directions. Non, tu sais, ici, nous, on a une spécialité. Hein. Si tu veux, moi-même, moi, je m'allais de manière terre à terre. Donc, tu es en train de nous dire que Tina, la maman de Didier Arafat, vous a dispersé, a tué la Yorogang. Oui. Et c'est pour cela que toi, tu as quitté la Yorogang. Oui. Voilà. Et qui d'autre encore? Bah, il y avait tout le monde, il y avait Landry Agban qui était le président à l'époque, qui a été viré. Il y avait
qui étaient dans le staff, il y avait Landry Agban, il y avait TV3, il y avait presque tous ceux qui sont dans le staff. Donc en fait, tout le monde était viré. Tout le monde était viré. Toutes ces personnes ont quitté. Toutes ces personnes ont été virées par Maman Tina à cause de son comportement ou elle voulait bien faire. Peut-être que vous, si vous étiez dans la Yoro Gang, votre conduite et puis votre vision de la Yoro Gang n'était pas la bonne. Bah, il y a ça aussi. Notre vision à l'époque, elle était très bonne. On avait de très bons projets. On a proposé de très très lourds projets pour la pérennisation des œufs de DJ Arafat. Et aujourd'hui, on voit où nous sommes. Tu vois, donc je peux dire, elle, ses idées à l'époque peut-être étaient plus élevées que les nôtres, mais aujourd'hui, on sent rien du tout. Quoi. Ok, mais je dirais, allez le code. Aujourd'hui, on voit tes sorties concernant la mère de ton ami Feu DJ Arafat. On voit beaucoup de sorties sur la toile. Vraiment, tu es vraiment actif là concernant. De toi à nous là sur le plateau, qu'est-ce que tu lui reproches réellement dans le fond? Moi, je reproche à Menati la non-pérennisation des œuvres d'Arafat. D'accord. Voilà. Pour moi, ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas la pérennisation d'un artiste, d'une légende. Mm-hmm. Tu vois, c'est plutôt de la récupération. C'est plutôt une pérennisation bassiste pour moi. Mm-hmm. Aujourd'hui, quand on parle de l'image d'une légende, l'image d'un artiste, je prends un exemple comme la dernière sortie où j'ai eu à sortir. Mm-hmm. C'était sur les paquets de cigarettes. On ne peut pas prendre l'image d'Arafat, qui est une légende qui conscientisait ses fans à aller vers de l'avant, à grouiller, à ne pas rester dans la rue, prendre cette icône-là et le coller sur les paquets de cigarettes pour pouvoir les vendre. Ça n'existe pas. J'ai un paquet de cigarettes dans mon sac, si je ne peux pas le montrer pour la pub. Mm-hmm. Mais en France, en Europe et partout dans le monde, sur les paquets de cigarettes, on met des images choc pour éviter que les jeunes fument. Si on met l'image d'Arafat sur un paquet de cigarettes, c'est pourquoi? Et là, c'est venu de qui? Bah, c'est venu de Menati. Non, attends, tu sais, les téléspectateurs, pas mal de personnes ne savent pas. Quand tu dis Menati, il ne faut pas avoir peur des mots. Il faut assumer au soir, on laisse tomber. Parce que quand tu dis Menati, moi, mais je suis perdu. Tu es venu de Menati. Menati, tu renverses Nati sur mon date, oui, c'est qui? Non, non, c'est non, tu es en vélan. Tu es assez rappeur aussi, donc c'est toujours voilà, de non, dans les commentaires, on demandait qui est Menati, je n'ai pas pu répondre. Connais, tu sais, ce n'est pas tous les gars qui sont dans la Yorogan pour savoir qui est Menati. Mais quand l'image de Feu Arafat est sur des paquets de cigarettes, c'est payé ou c'est... C'est payé. Et qui reçoit cet argent? Bah, c'est sa mère. D'accord. C'est sa mère qui a contribué à ça. Les gens qui ont fait ces paquets, ils nous ont approchés bien avant. Mm-hmm. On n'a pas voulu adhérer parce que c'est pas dans le sens, c'est pas dans notre sens aléatoire. C'est pas dans le combat qu'on mène. Pour moi, on ne peut pas mettre l'image d'une icône sur un paquet de cigarettes. C'est-à-dire, c'est inciter les fans d'Arafat qui sont déjà la moitié des fans d'Arafat qui ont moins de 18 ans à fumer. Ouais. Pourtant, c'est que la cigarette tue et que c'est déconseillé à partir de 18 ans. Avant 18 ans. Ça, c'est clair. Moi, j'aimerais poser une question, Ali, qui concerne un peu fort. Est-ce que du vivant de ton ami, tu aurais pu te permettre de faire ce genre de reproche à sa mère? Du vivant d'Arafat, j'aurais jamais pu me permettre de faire ça. Je pense qu'il allait le faire lui-même. D'accord. Il y a des anciennes vidéos qui prouvent ce que je suis en train de dire. Je vous donne un exemple. Il y a une dame qui, à l'époque, qui a fait une sortie avec maman Nati, qui était en clash sur les réseaux. Et on a vu Arafat défendre cette femme qu'il ne connaissait même pas face à sa mère. Mmh. Et moi, je suis ce genre de personne. Je peux être avec ma mère et toi, qui vas faire une action tout à l'heure. Si je sais que tu as raison, que ma mère même ne te donne pas raison, je te donnerai raison même devant mes parents. Je suis ce genre de personne. Tu as fait l'armée, tu es légionnaire, tu es quelqu'un de très véridique. Je suis véridique, je suis le droit chemin. Tu es le droit chemin. Tu pries beaucoup? Je prie. Et tu te drogues souvent? Drogué, c'est un gros mot. C'est quoi vous appelez drogue, peut-être, je sais pas. Joint. Ou même ban. Je fume. Tu fumes ça, non? Bah oui. Voilà, c'est pas mauvais, c'est ce que je voulais savoir. Je fume, je ne fume même pas de cigarette, te dire. Voilà. Défaillé, toi, dans ton passé, tu fumais ça aussi? Non, jamais. Moi, je fume. Parce que en Côte d'Ivoire, peut-être, c'est pas légalisé, mais d'où je viens, c'est légal. C'est légal. Quand tu as fait Irak, tu as fait Afghanistan avec l'armée française. Donc, il y a les choses là, tu as goûté à ça. Ouais. N'est-ce pas? Tu étais le plus proche, plus ou moins, d'Arafat dans la Yoro Gang. Ouais. Voire même le plus intellectuel de la Yoro Gang, peut-être. Le plus intellectuel, peut-être c'est un peu gros, mais j'étais celui qui faisait partie vraiment du noyau central. Ah ouais. J'étais parmi ceux-là qui avaient accès à toute info confidentielle concernant la Yoro Gang. D'accord. Non, c'est-à-dire les grandes décisions dans la Yoro Gang venaient plus ou moins de ton OK? Pas de mon OK, moi je suis comme un conseiller à côté du président. On va lui dire, moi je veux lui dire, si tu va dans ce chemin, voici ce qui va t'arriver, voici ce qui va t'arriver, voici ce que tu vas faire, voici ce que tu vas dépenser. Uh-huh. Après, c'est Arafat qui prend les décisions. Il peut dire, bah, Marie, tout ce qu'on lui a dit, moi, je vais faire ça. Marie qui va faire ça, nous, ce sera notre travail encore de le sortir de cette merde.
Mais je pense que je me dis, hein, tu as décidé de te retirer. Bon, tu as été chassé de la rue Rogan, comme tu l'as si bien dit. Les activités aussi concernant la fondation Didier Arafat, tu n'y participes pas. Bon, au-delà de tout ça, c'est vrai que personnellement, je me dis, bon, ok, je ne participe plus à tout ça. Je me retire de tout ce qui concerne Didier Arafat. Mais en fait, à tout moment, quand Tina sort une vidéo, tu fais une capture, tu fais un post et ça va dans tous les sens. Si là tu as dit que par exemple que je faisais pas partie de la fondation. Non, tu dis j'ai demandé l'activité de la fondation par exemple. Je soutiens totalement la fondation à 100%. Ah ok. Tu vois, je me mets pas forcément dedans, en avant, voilà, d'accord. En avant, tu vois, mm-hmm. Mais je fais partie des membres de la fondation. Je fais okay. partie de ceux-là qui vont toujours continuer le travail comme Arafat, comme il était là dans l'ombre. D'accord. Arafat était là, il faisait ses trucs, t'as jamais entendu Ali le Code, c'est lui qui fait ça, qui fait ça. Je suis toujours un homme de l'ombre, c'est pourquoi je m'appelle Ali le Code. Mmh. C'est codé, tu vois, je suis quelqu'un qui va te décoder des situations très compliquées. D'accord. Et avec la fondation, l'installation de la fondation en Côte d'Ivoire, l'arrivée de la fondation en Côte d'Ivoire, stratégiquement, j'y ai participé. Wow. Ok. Mais je ne vais pas venir me proclamer que je suis non. Mmh. Sinon, je suis musulman, tu es beaucoup modeste. C'est ce que le grand-père là-haut nous demande, tous. La modestie, voilà, il faut être un modeste. Bon, au-delà de toutes les sorties concernant Maman Tina Spencer et tout ça, tu n'as pas peur que tu fasses arrêter? Je connais mes droits, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on m'arrête? J'ai jamais sudé. Bon, tu sais. J'ai jamais eu un langage tordu. D'accord. J'ai juste riposté ses propres erreurs. Ok. Vous avez dit tout à l'heure que j'ai. Je remets à chaque fois ses vidéos. C'est ses vidéos. Ça, moi, je sais pas, moi, je suis pas là quand il filme, quand il se filme. Mm-hmm. C'est ses propres erreurs jusqu'à présent que je riposte. Mm-hmm. Et j'ai du mal à comprendre que certains Ivoiriens n'arrivent pas à comprendre. Et ça, au début, je ne le comprenais pas, mais maintenant, je le comprends. Je commence à le comprendre parce que c'est une mentalité, une éducation, surtout africaine. Bien sûr, voilà. Chez nous, on s'adresse, on ne dit pas à une grande personne, c'est pas vrai. Ah ouais? Ça, je te le dis. Mais c'est chez nous. Nous, dans le monde, on est combien? On est quelième dans le monde? Ok. Notre éducation est. Je peux dire elle est sage, elle a des avantages et certains inconvénients. Et moi, je peux dire ça, ça fait partie de ses inconvénients. Moi, si ma mère me dit quelque chose qui n'est pas vrai, qu'elle me dit avion, il a quatre ailes, il s'envole, je lui dis c'est pas vrai. Mm-hmm. Mais en Afrique, on ne peut pas se permettre de dire c'est pas vrai une grande personne. Mm-hmm. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais manqué de respect à Maman Tina. Mm-hmm. C'est elle qui m'a toujours manqué de respect. C'est elle qui a traité mes parents de bassiettes. Elle a insulté ma mère ici, sur ce même plateau. Elle a insulté mes parents. Je ne vais pas venir faire autant. Mm-hmm. Je ne vais pas venir l'insulter. Mais tu sais au moins qu'on dit toujours en Afrique ici reposter une grande personne, même peu importe les injures qu'elle te portera, c'est un manque de respect. J'ai reçu cette éducation de mes parents. Mes parents m'ont appris cette éducation. On ne répond pas aux grandes personnes. Mais comme je t'ai dit, je suis quelqu'un, j'ai pratiquement fait le tour du monde. Et aujourd'hui, ma mentalité me permet de pouvoir juger certaines situations. Certaines situations. Voilà. Mais je peux te donner un dicton, là, si tu veux une parole tirée de la Bible. Mm-hmm. Le père, le grand-père que tu as dit qui est dans les cieux, il a dit, tu honoreras ton père et ta mère. Ainsi, tes jours seront prolongés. Je suis d'accord avec cette situation, mais il y a une suite à cette situation. C'est laquelle? Chers parents, oui. N'irritez pas vos enfants. Bien sûr. Est-ce que Mère Antida fait, elle mérite, elle me manque de... Justement, quand il dit « chers parents, n'irritez pas vos enfants », c'est un complément, si tu veux, qui donne un genre qui dit une mise en garde. Ah, des fallait l'acte de Dieu, tout à fait. Mais la chose qui est la plus portée, la plus forte, celle qui a plus d'effet, c'est les premiers mots. Mais parce que ça concerne les parents. C'est ça, c'est à ça que je veux. Mais concernant les parents, comme il a bien dit, c'est en Afrique ici, on a nos éducations, tout. Mais comme il a dit, on est quelième au monde, tu vois. Donc, par contre, quand tu as une mentalité aussi un peu large, européenne, par moment aussi, quand c'est noir, tu peux dire aux grands-parents ou à la mère ou à la tante, non, ça, c'est pas noir, c'est du blanc. Voilà, tu vois. Moi, ce que je fais, moi, je pense que je suis pas un peu à penser ça. En fait, moi, on échange. Hein. Tu es notre invité. On en parle. Parce que sur la toile, je vais sur ton compte, je regarde. À la fois, il y a des personnes qui sont pour ce que tu fais. Il y a aussi beaucoup de personnes qui sont contre ce que tu fais. Je les comprends. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a débat. Il y a un débat. On est d'accord. Je suis très d'accord. Voilà. Je suis très d'accord. Même que tu sois invité, il y a un débat qui est là. Ouais. Je suis très d'accord. Ceux qui sont pas d'accord pour moi, c'est, vous savez, même Arafat, dans son vivant, il avait des ennemis. Quand il mettait des publications sur la toile, tout le monde n'était pas d'accord. Il y avait toujours des ennemis. Même Jésus-Christ avait des ennemis. Voilà. Voilà donc. Et aujourd'hui, dites-vous que Arafat n'est plus. D'accord. Nous, notre rôle aujourd'hui, c'est de pérenniser quelque chose qu'on a cru. Mm-hmm. Pérenniser l'image d'Arafat, c'est pas facile. C'est-à-dire, c'est venir tenir tête au vivant avec un esprit, l'esprit de quelqu'un qui est mort. Ah ouais.
Donc, qui va accepter qu'un mort le dépasse? Donc déjà, faut avoir un esprit très large pour pouvoir comprendre ce genre de trucs. Et les autres fans des artistes qui étaient contre Arafat, bah, ils sont toujours là, ils ont toujours leur compte. Et c'est ceux-là qui viennent dans mes commentaires dire que « Ouais, non, ni c'est rentré ici, c'est rentré ici. » Mais les Chinois, les fans d'Arafat me comprennent. Ils savent le message du combat que je mène. Mais dis-nous, Alika, tu as un single qui sort bientôt? Oui. Hey, Dondon. Hey, Dondon. Hey, Dondon, c'est un single qui sort bientôt. Hey, Dondon, fit avec Mabouti. Ah, Mabouti. Ouais. Donc, désormais, tu laisses l'armée, tu suis Arafat. Arafat est mort, père son âme. Ouais. Tu prends ta carrière en main. Je reprends la musique, si tu veux, avant qu'Arafat décède. J'avais signé en tant qu'artiste aussi dans la Eurocamp. J'étais un membre du staff. J'étais un cadre. Comme Ariel Chenet. Voilà, j'étais comme Ariel. J'étais un cadre, mais j'étais signé aussi dans la Eurocamp en tant qu'artiste. Mais pendant ce temps, tu ne chantais pas, mais comment tu as fait? J'avais sorti des sons, j'avais sorti Jassa, j'ai sorti un remix de DJ Arafat qui est Je Mando Sabado, qui est sur YouTube, qui a super bien marché. Et quand Arafat est sorti, j'ai fait un hommage pour lui, qui est un très bon aussi, qui a un bon, très bon son qui a très bien marché. Et après, j'avais décidé d'arrêter la musique. Mais ta carrière musicale, même, on n'en parle pas trop. C'était classe, tu les gens en parlent. Mais par contre, dans la Eurogrande, des personnes comme toi, comme Ariel Chenet, ils font le chemin. Mais comment toi, tu as du mal à faire ton chemin musicalement? Parce que, à la base, tu n'es pas trop focalisé sur les clashs. Étant cadre de la Eurogang, j'étais aussi un lieutenant de guerre d'Arafat. Tu vois, je suis le lieutenant de guerre d'Arafat qui va le défendre sur les réseaux sociaux, qui va le défendre aussi dans la Ah non, mais dans le groupe, là, il y a les lieutenants de guerre, il y a les lieutenants tant. Voilà. Toi, tu étais un lieutenant de guerre. Moi, j'étais le lieutenant de guerre. On avait notre ministre, on avait notre président, on avait tout. Moi, j'étais le lieutenant de guerre. Le gars en forme, là, qui est petit détail, là, Olopacha, là. Oui, lui, son rôle, c'était quoi? Olopacha, c'est l'ami de Didier. Oui, mais son rôle dans le ministère, lui, il était quoi? Olo, je peux dire que c'est un lieutenant de guerre aussi, parce que sur le terrain, on accompagnait Arafat dans ses divers projets. Est-ce un lieutenant de guerre doit voler une télévision? Après, moi, je ne sais pas si ces dits-là sont vraiment vérifiés, est-ce que c'est vrai? Mais je ne pense pas que Olo a volé la télévision de Arafat. Alors, Ey Dondo, qu'est-ce que ça signifie? Ey Dondo, pour moi, Ey Dondo, c'est un remix à l'époque, faire un clin d'œil au grand frère. Parce que quand moi j'ai écouté là, moi c'est ce que j'ai retenu aussi dedans. Ouais. Christ Béja, ben, c'est Ey Dondo. Voilà, c'est un ancien son que les anciens comprennent. C'est, voilà, nous, bon, c'est la vieille école. La vieille école, ça te comprend. Quand j'ai écouté le single, j'ai dit, mais ça c'est Christ, même qu'ils ne le disent. Voilà, Ey Dondo, c'est un big up et aujourd'hui on sait que c'est. La jeunesse est captivée un peu sur tout ce qui est rétro, tout ce qui marche un peu. Donc pour moi, au lieu d'aller chercher très loin, j'ai voulu maximiser un hit, un single ici. Mais est-ce que ça veut dire aussi quelque part que tout ce qui était avant était mieux aussi? Avant, bah, en même temps, tu sais, la mode, c'est réciproque. Ça se transforme chaque 10 ans, chaque 20 ans, c'est les mêmes trucs qui reviennent, tu vois. Mais j'ai eu un passif ce matin qui a écouté, il est très bon. Moi, je te dis, pourquoi je le dis, tu sais, que ce soit de notre époque, que ce soit de votre époque. Même nous, quand on a commencé, on a utilisé des rétros. Tout à fait. Je ne sais pas si tu vois où je suis en train de t'emmener. Tout à fait, je suis tout à fait. Voilà, donc, vous aussi, à un moment donné, je dis toujours, hein, dans la vie, quand tu ne sais plus où tu vas, retourne d'où tu viens. Ça, c'est bien. Ça, voilà. C'est un conseil que je donne à tous mes jeunes, les petits, les nouveaux coupés décaleurs. Ça, c'est très, 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 très belle citation. Retournez là d'où vous venez. C'est le plus important. Ton single, Ey Dondo, moi, j'ai vu le clip. J'aime bien le clip. Merci. Ce qui m'a marqué dans le clip, envoie-moi des fesses. La plupart des clips aujourd'hui, c'est bourré des filles en maillot de bain, en train de se remuer dans la piscine. Toi, carrément, tu es sorti de tout ça, en fait. Concept, parce que j'aime bien un peu un artiste qui est ici, qui rappe, qui enregistre, Kaes Blom, oui. Ouais. J'aime bien ce qu'il fait, parce qu'on n'est pas obligé d'entrer dans la perversité pour pouvoir plaire. Tu vois? Et moi, je suis ce genre de personne aussi. Donc, en fait, tu trouves que c'est une preuve? Kaes Blom, c'est une preuve qu'on peut être artiste sans être pervers et pouvoir faire mal. Tout à fait. Bien sûr, oui. Tout à fait. Ah, ok. Ali Loukou l'a dit. Hein. Ouais, mais ce que tu dis, c'est un peu dangereux. C'est parce qu'on a vu des clips de Arafat où il y avait des kalaches. Hein. Oui. Mais après, ça dépendait de l'image ou de l'esprit dans lequel on partait. Voilà. Nous, on est dans cette période, on était vraiment sur la front. Je peux dire qu'on était presque en guerre. Tu vois? Voilà. C'est grâce à. Pas grâce à nous. Je dis grâce, c'est comme si c'est un mérite, mais c'est à cause de nous, si tu veux, qu'aujourd'hui. La musique, le syndicalisme, tout ça, la musique s'est rapprochée un peu plus de la rue, oui. Si tu veux. Parce qu'à l'époque, on voyait des rappeurs, des artistes qui venaient, moi, je suis bandit, non, mais on ne les voyait pas dehors. Tu vois, donc nous, c'était une manière de pouvoir prouver qu'on fait de la musique, mais on est aussi dans la rue et qu'on peut aussi apprendre. Il faut reconnaître que DJ Arafat a vraiment réussi à rendre le couplet décalé vraiment street. Parce qu'à la base, ce n'était pas street, c'était vraiment des bluffeurs, des chics, sapeurs. Et lui, il a ramené le côté route, rue, street dedans.
Ça, il faut le reconnaître. Et en lui disant, c'est pas faux, c'est des codes. Mm-hmm. Donc, il marchait sur ses codes. Après, nous, c'était la SAC. Mm-hmm. Nous aussi, on marchait sur notre SAC. Mais ta carrière musicale, tu t'inspires de Didier Arafat ou toi-même, avant de rencontrer Arafat, tu t'inspirais déjà la musique? Faut dire, avant de rencontrer Didier Arafat, j'étais déjà passionné de la musique. Je faisais des freestyles dans mon quartier, tout ça, Kumasi, Big Up à Bia Sud. Et j'avais déjà une influence musicale. J'étais intéressé par tout ce qui était un peu dancehall et rap US. Tu vois. Ah ouais, coupé-décalé, c'était pas ton feeling. Hein. Pas trop du coupé-décalé. Et quand j'ai connu Arafat, tu sais, quand deux personnes se fréquentent, forcément, l'influence de l'un ou l'autre déteint sur l'autre. Donc voilà, moi je pense que j'étais avec Ivan Trésor à cette époque, on écoutait beaucoup de US. Mm-hmm. Donc Arafat a eu l'amabilité, l'intelligence de pouvoir relier le coupé-décalé avec tout ce qui était rap, sonorité, US et tout ce qui se fait maintenant. Donc, il a appelé son coupé décalé, la trappe décalée. Tu vois. Et moi, nous, on a validé parce que le coupé décalé aujourd'hui, ça, c'est un conseil et un doc que je donne à tous les artistes ivoiriens. Il faut rattacher sa musique avec quelque chose de l'extérieur pour pouvoir toucher le monde international. Comme ce que Magic System a fait. Ça, mais nous, on l'avait déjà fait au départ, hein, avec coupé décalé Mania. On a fait des trucs avec des rappeurs en France. Oh, c'est un gros boulot. Mais attends, Anaconda, où on l'a pas fait? Oui, vous l'avez fait, vous l'avez fait. Reconnaissez au moins ce qu'on a fait. Voilà, bon, c'est on reconnaît, on reconnaît. Voilà. Les justement, je dis par là que après, le petit frère, il a pris le bon chemin. Si vous étiez pas là, nous, on n'allait même pas être là. Donc, c'est des choses, si tu veux, sont des codes. Je suis d'accord avec toi. La musique, pour qu'elle puisse aller plus loin, il faut qu'elle soit mélangée. Tout à fait. Et quand elle est mélangée, elle donne une nouvelle coloration. Mais en même temps, le code, il y a un truc qui me trottine dans la tête. Parce que je vois que tu sors quand il a fait les choses et tout ça. Bon, maintenant, allons dans un certain vif de sujet où j'étais jamais vu pratiquement en train de réagir. Beaucoup de personnes sur la toile, par moment, se plaignent du comportement de Carmen Sama. Bon, pour moi, Carmen, au début, j'ai fait une sortie une fois sur Carmen, où je pense que c'est dû à ça même qu'on s'est un peu pris la tête, moi et elle. Oui. Parce qu'au départ, on l'a vu en train de sortir, tout ça, s'amuser, tout ça, machin. Et moi, j'ai fait une sortie aussi dessus, tu vois. Après, bon, tout ce qui s'est passé, j'ai pas voulu entrer dedans parce qu'il faut savoir que Carmen, c'est une jeune fille déjà. Tu vois. Ok. On n'a pas la même tranche d'âge. Pour moi, Carmen, c'est vraiment ma petite soeur. Tu vois, et Rafna, c'est ma fille avant tout. Donc il y a certains conseils que je peux lui donner en privé que je ne peux pas lui donner sur les plateaux ou en direct. Tu vois. Mais tu le fais pour Tina. Tu l'attaques directement. Carmen m'écoute. Okay. Elle va m'écouter. D'accord. Tu vois, mais bon, Tina, elle ne t'écoute pas en fait, c'est ça? Moi, Tina ne va pas écouter. Ok. Parce que Merlati, elle pense que dans sa tête, c'est elle. Tout doit passer par elle. Tu vois. Mais c'est quand même elle qui l'a mis au monde aussi. Si on disait ça de Jésus à Marie, je pense qu'on n'allait pas aller à l'église. Bon, ça c'est vrai. Je pense qu'on n'allait jamais aller à l'église. Et je pense qu'elle a au moins le droit aussi de la maternité de son fils. Si, elle a le droit. Moi, c'est pas moi qui ai mis Arafat au monde. Non, non, pas du tout. Voilà, moi, je dis, il appartient. Mais DJ Arafat ne l'appartient pas. Okay. C'est une icône, c'est international. Ok, toi, donc c'est, pour toi, je dis, l'appartient. C'est pour elle. Mais voilà. DJ Arafat, pour elle. C'est tout le monde, c'est pour tous ses fans, tous les Chinois. Okay. Donc, nous, on a fait partie de cette histoire-là aussi. On le veut, on le veut pas. Pendant 1000 ans, je vais aller sur tous les plateaux du monde entier. Malgré le dernier hit, les derniers singles que je vais faire, ils vont toujours me parler de Didier Arafat. Et pour moi, ça sera une fierté de répondre à ça. D'accord. Ça sera pour moi une manière de pérenniser mon frère. Pour la promo de ton single, et Idemlong, c'est ça, ouais. C'est ça. Et tu as prévu quoi comme promo? Bah, pour la promo de Indodo, déjà, merci à Ivoire TV, Ivoire FM. Voilà, c'est la maison. Pour vous, l'exclusivité du son déjà qui tourne sur la radio, l'exclusivité du clip qui tourne sur vos antennes, pour moi c'est un immense plaisir. Toucher toutes les autres radios, toucher les autres télévisions, toucher la jeunesse ivoirienne, faire aussi le terrain, le combat du terrain, tu vois, les défenseurs, tout ça, me montrer un peu partout, c'est ce que j'ai. Mais est-ce que le manager, tu as, c'est quelqu'un qui connaît le terrain ivoirien? Oui, je suis avec Georges Manager, un très 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 grand manager, respecté dans tous les milieux. Tous ceux qui entendent Georges Manager dans le milieu de la musique, ils le savent. Aujourd'hui, quand j'ai sorti Eindondo, aujourd'hui, j'ai pas le même impact comme tous les artistes parce que mes sons sont payants. Ouais. Je le fais pas gratuitement. Selon toi, quel est l'artiste coupé décalé qui se vend le plus cher? Y compris Arafat, paix à son âme, qu'à ceux qui sont là aujourd'hui. Bon, en ce moment, je peux dire, c'est Arafat le numéro 1, déjà. Qui se vend le plus cher? Qui se vend le plus cher, c'est Arafat. Y a pas. À part lui. C'est dans le coupé décalé, hein. Dans le coupé décalé, même, tout artiste confondu, ivoirien. C'est lui qui touchait les plus gros cachets, c'est lui qui avait les plus grosses dates, c'est lui qui avait les plus gros fans. Voilà. Maintenant, si tu me dis les vivants. Non, bon. Oui, on va aller sur les vivants aussi, bien sûr. Les vivants, pour moi, aujourd'hui, celui qui arrive à extraire sa musique... À 40 millions ou à 50 millions de cachets, tu vois qui est dans le coupé décalé? Il y a deux personnes que je vois.
Tu vois Serge Bino et Arel Chiné. Serge Bino et Arel Chiné. Ouais. Waouh, même des Bordeaux, tu ne le vois pas? Des Bordeaux, je ne le vois pas parce que j'ai tellement d'exemples que si je vais donner en paquet, mais je vais donner un truc rapide. Comme ça, tu vas comprendre un peu quoi l'emploi que je te dis. Je te donne un exemple sur la tournée des artistes ivoiriens en Europe. Quand les artistes, la plupart des artistes ivoiriens vont en Europe, tu vois ceux qui jouent dans les capitales, ceux qui jouent dans d'autres pays, ceux qui jouent dans les villages, tu vois. Des Bordeaux est parti en France tout d'un moment, il a joué où? Je ne sais pas, tu étais là-bas, tu nous dis. Zéro date. Il n'a pas eu les dates quand il allait. Il a eu les dates. Zéro. Mais dans quel coup il dit la plus fois qu'il fallait, il fait un combat? Ben, moi je pense que Desbordeaux voulait mener un combat mais il n'avait pas les bonnes armes. Tu vois, il n'avait pas les bonnes armes, il n'avait pas les beaux arguments. Le fait qu'il est rentré dans la proportionnalité de dire que les Congolais sont racistes, tout ça, moi je sais, ça te fait automatiquement toi-même passer pour un raciste. En tant qu'ivoirien, moi j'ai fait le Congo, j'ai fait quand au Congo, j'ai vu qu'au Congo. Hein? Je ne peux pas accepter ça. Hein? Voilà, les Congolais sont très gentils, ils savent ce qu'ils font, tout. Hein? Mais aux artistes ivoiriens de pouvoir agrandir eux-mêmes et de se prendre en valeur. Vous touchez l'international. Arel Chiné, il est parti en Europe, il a fait des dates dans différents pays, en Allemagne, au Portugal, au Mali, tout ça, moi, cherche. Serge Bino, Paris, il fait des dates, tu vois. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis, pas que dans les capitales, Paris. Et puis, tu vois, en France, tu joues qu'à Paris, tu reviens à Abidjan, t'as rien fait. Non, tu penses que, comme le cas de Bordeaux, les autres, ils ont joué un peu partout dans toutes les autres capitales? Ouais. Un peu partout. À quelle période? Ariel était là, il y a... j'ai laissé Ariel avant de venir en Europe. D'accord. Il avait une dernière date qui a été annulée le même soir à cause du Covid. Du Covid, à Paris. Mm-hmm. Avant que j'y vienne, il avait une autre date. Il y avait Didi B, ok. Qui était en Europe. Mm-hmm. Qui a fait l'Italie, mm-hmm. qui a fait la France, qui a fait le sud de la France. Mais les autres artistes ne vont pas. Il a fait Bruxelles, la Belgique. Ouais. Tu vois, ça, tu sens l'influence internationale. Mm-hmm. Tu vois, c'est ça que je... C'est dans notre frère de Bordeaux, il a besoin de se concentrer sur sa carrière. Bordeaux a besoin plutôt d'extérioriser sa musique internationalement. Ah, tu vois, faut pas trop rester dans les, comme on dit chez nous, dans les casseroles. Tu peux pas aller en boîte et que les blancs et puis t'as joué ça. Vont te regarder, vont dire, mais on comprend pas, c'est quoi, il y a trop de bruit, tu vois. Il fallait bien se placer pour nous dire ça. Il a fait Miami, il a fait Paris. Voilà, il connaît le grand dos, il sait ce qu'il dit. Il sait. Mais aujourd'hui, il y a moins d'efforts dans le coupé décalé. Depuis, il y a le rap, il voit qu'arrive le coupé décalé plonge un peu. Ouais, le coupé décalé en baisse. Pour... Mais donc, Fier de Bieux, il fait quoi, rap, il voit? C'est à vous de me le dire, je ne sais pas. Je ne connais pas la distinction entre. Pour moi, Fier de Bieux, c'est un style rap. Ouais. Ambiancé. Tu vois, tu sais, la musique est internationalement. Quand tu fais de la bonne musique. Vas-y, rap, là, c'est rap et ambiancé. C'est un style, tu vois, c'est un style. Pour moi, faire de la musique, peu importe ce que tu dis, la musique est diverse langage. Bien sûr, oui. À la fois, chanter Bragada, Bragada, ça prenait. Ça prenait, oui. Mais en tant qu'artiste, quand tu écoutes les Bragada, Brukata, Brukata, tu sais qu'il y a une performance. Ouais. Moi, je dis tout simplement par là. En fait, c'est un plein des soupçons de taquin. Je lui dis par là, c'est quoi? Les jeunes frères, quand souvent j'entends, ils parlent rap ivoire. Non, le coupé décalé est tombé. Vous faites du coupé décalé, vous faites du zouglou, vous faites tout. Ouais. Prenez seulement. Faites ce que vous avez à faire. Avancez. Tout ça, c'est la faute. En fait, c'est ça, en fait. Parce que quand je les vois, souvent, ils veulent rentrer dans des clashs. Et non, rap ivoire, coupé décalé. Non. Vous faites tout. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Voilà. T'as passé pas mal d'années avec Didi Arafat. Par moment, mais si tu signais des contrats, mais tu décidais de certains contrats, le contrat de 40 ou 50 millions, combien tu gagnais dedans? Arafat, il te donnait combien? Pour ne pas dire, il te payait combien? Moi, j'avais un pourcentage sur chaque prestation. Waouh! Ou chaque date que nous, on emmenait. Chaque contrat qu'on emmenait, on avait un certain pourcentage dessus. Si on envoie un contrat à Arafat, ça vient de ma part, j'ai 35% dedans. Waouh! Tu vois? Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est confidentiel, j'ai pas le droit de le dire, mais pour le jeu. Ah, c'est comme ça, toi, tu fonctionnais. On le seul, hein? Ouais. On lui suit pas comme ça. Il a laissé la main pour le suivre cadeau. Quand on s'appelle. Bien sûr, oui. Voilà. Donc, on travaillait. Mm-hmm. Voilà, c'était notre gagne-pain. Et quand Arafat est décédé, c'est ce que j'ai proposé, c'est ce que j'ai édité comme projet. Vaut mieux que le truc continue dans le même sens. Nous, on va défendre le mort. Il sera toujours premier. La part d'Arafat, les 75% qui restent. 65% qui restent autant pour moi partiront toujours à sa famille. Entre eux, la maman s'est débrouillée, maman ou papa, ils vont se tuer là-bas. Mais les 35% vont rester dans la caisse, vont permettre aux gens qui sont à côté, qui se défendent, qui travaillent, qui laissent le travail, qui font la pénalisation, de pouvoir aussi se nourrir. Parce que ce n'est pas cadeau. Mais tu sais, tout ce que tu dis concernant Arafat, il ne fait que dire des bonnes choses. Mais il fut un moment de la vie d'Arafat où il plongeait, où tous les gars disaient Arafat, il ne chante plus, Arafat est tombé, il sombrait plus ou moins. Comment tu voyais ça? Tu lui donnais quel conseil? Ou même toi aussi, tu t'es retiré pendant cette période-là d'Arafat? Il y a une période, si tu veux, qui est un peu
chose dans ma vie, j'étais en prison, tu vois. Tu as fait quoi? Tu as volé? Non. On était à Paris, on a fait une bagarre et il y a des coups qui sont partis. Attends, tu m'as jamais dit ça, Défalé? Ça, c'est personne qui le sait. Ah, d'accord. Personne ne le sait. Il faut regarder parmi les actualités, vous avez, il y a un bout de bonne année où il n'y avait plus d'actualité. Moi, je sais, mais c'est pas une question que j'avais envie de poser. Voilà, c'est un peu personnel, tu vois. Et j'ai pas envie de forcément que les gens disent, ouais, lui, il est parti en prison pour d'Arafat, venez m'inventer. Ça, c'est pas le but. Mais cette période, elle a été un peu sombre dans ma vie, tu vois. Et quand je suis sorti, on a essayé de mettre tout en place encore. On commençait à travailler et ça a commencé à aller, tu vois. Après, comme je t'ai dit, c'est pas moi qui décide. Moi, je suis un conseiller. Je vais te dire, si tu vas là-bas, il y a le feu. Si tu veux partir là, je vais te suivre en tant que conseiller, je vais partir avec toi, je ne vais pas te laisser partir. On va partir ensemble. Mais arriver dans le feu, là, on réfléchit comment on se sortit de ce feu. Parce qu'il a vécu des périodes sombres, du départ d'Ariel Chenier, il a sorti de Moto. Il fut un moment, vraiment, je ne dirais pas que tout le monde l'a tourné le dos, mais quand même. L'artiste déprimé à un certain moment. Déprimé, voilà. C'est cette période-là, qu'est-ce qu'elle a été l'action que tu as menée? Parce que, on le sait, tu sais, nous, on est des grands frères du milieu, on sait qu'à un moment donné, le jeune frère déprimé. Il y avait pas mal de choses qui n'allaient pas vraiment, qui n'avançaient pas trop comme il le voulait. Et ça a eu, il y a eu certaines dépressions. À cette période, je peux dire, Arafat était beaucoup en clash avec beaucoup de grands frères. Ok. Tu vois. Et nous, ce qu'on pouvait faire, c'était essayer d'arranger les choses. Tu vois, en huis clos, aller voir les grands frères, les expliquer que voici ce qui se passe, voici le monde virtuel, voici le vrai monde dans lequel on vit. Confondez pas les choses. Tu vois, on a essayé de faire les trucs, mais il y a des personnes qui étaient vraiment gammées dans la tête, c'est-à-dire ils confondaient le monde virtuel et le vrai monde. Et donc, tu penses qu'il y a certains grands frères qui l'ont véritablement combattu? Ouais, il y a beaucoup de grands frères qui l'ont combattu, tu vois. Il y a beaucoup de grands frères qui l'ont combattu. Faut pas te déranger pour parler, hein, parce que quand tu parles de tout le monde, il faut que tu dises, allons dans le fond, tu sais, ici c'est Farafa. Et ce qui se passe, parce que, tu sais, quand moi je parle, je ne dis pas ce que je ne sais pas. Il y a des grands frères de DJ Arafat dans le milieu du showbiz qui l'ont véritablement combattu avant sa mort. C'est faux ou c'est vrai? C'est vrai. Mais il y a eu la rumeur du cas de Mori Lemola, que les gens disaient qu'il a combattu Arafat. Il ne veut plus voir Arafat, tout ça. Non, pendant même les obsèques, ils l'ont interdit d'arriver, tout ça. Tu sais, comme je t'ai dit, il ne faut pas confondre le monde virtuel et le vrai monde. Tu vois, c'est vrai que sur le monde virtuel, il y a eu un moment où le grand frère Moula était en clash avec Arafat, tu vois. Mais moi, je t'ai dit, on partait chez le Moula. On partait manger là-bas, on s'insultait sur le net, mais on partait manger, on faisait des soirées où Arafat, il dépasse Moula. Moi, il ne peut pas le dépasser, tu vois. Même, tu es mon ami, mais comme je t'ai dit, je suis le genre de personne, je suis droit dans ma tête. Ma mère, même, il peut la manquer de respect pour toi si tu as raison. Tu comprends? Donc, je suis droit dans ma tête. Mais le Moula nous a toujours soutenu dans l'ombre. Tu vois, c'est quelqu'un, je ne peux pas venir sur un plateau de télé, venir dire que Moula a fait ci, Moula a fait ça. Il nous a toujours soutenu dans l'ombre. Ouais. Mais sur le web, c'était une autre attitude, tu vois. Je n'ai pas pensé qu'un jour la mort allait forcément venir ici, prendre Arafat et nous laisser comme ça sur le vif du sujet. Ouais. Je comprends. Sinon, Moula, c'est quelqu'un de très, très sympathique. Il nous a soutenu. Aujourd'hui, mes soutiens. Est-ce que tu sais que dans ce que tu dis, par exemple, moi, je vais te donner un exemple qui pratiquement nous est arrivé avec Fedouk Saga. Le game, comme on le dit, dans le virtuel où on s'amuse, on se dit des choses, quand il y a mort d'homme, ça devient autre chose. Ça devient autre chose. Et quand ça devient autre chose, après, il y a des retombées. Merci. Qui le mort ne peut plus venir dire, voici, tu vois, il est parti. Parti avec sa version. Donc, en temps normal, il y a des jeux dans lesquels on ne doit jamais rentrer. Non, là, ça, t'es parti à sa version. Voilà, parce que moi, c'est ma conception des choses. Je le dis parce que c'est quelque chose que nous aussi, on a vécu. Voilà. Une première fois. Aujourd'hui, comme je l'ai vécu, je peux à peu près donner les mêmes conseils. Oui. Avant, si tu me disais ça, j'allais pas comprendre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que toi, tu sais qu'il est parti avec. Tout à fait. Et aujourd'hui, tu vois des personnes aussi se manifester. Pourtant, tu sais véritablement le fond du problème qu'il avait entre lui et puis ces personnes. Tout à fait. Donc, je veux dire par là que, sans indexer qui que ce soit, nous sommes dans ce monde, c'est vrai, c'est le showbiz, comme on le dit, c'est le game. Mais le game doit avoir des limites. Parce qu'à un moment donné, si tu es trop dedans, après, s'il y a mort d'homme... C'est difficile. Mais d'un côté décalé, votre game, là, c'est à la limite, là, il n'y a pas de piment. Enfin, bref, il paraît que tu as fait un accident là où Arafat a fait son accident aussi. C'est vrai que tu as eu une jambe fracturée, un truc de ce genre. Ouais, j'ai ma jambe droite, ma cheville droite qui est cassée, dans le même lieu. C'est pas mystique, mais tu voulais te donner la mort toi-même comme ça aussi. Non, je voulais pas me donner la mort. Mystique,
Je peux dire mystique, ça. Bon, après, ça a toujours été. On a toujours. Le showbiz pour moi et tout ce qui est un peu mystique, tu vois, c'est pas loin. Tu c'est vois, pas loin. Avec Arafat, on a trop reçu des balles, des trucs comme ça. Et il y avait toujours deux personnes à côté de lui qui prenaient tout ce qu'on emmenait mystiquement à Arafat. Il y avait Olo, il y avait moi. Tout ce qui était mystique. Tu vois, moi, j'ai été empoisonné au Burkina, des trucs comme ça. Ah ouais, oui. Au Burkina, j'ai failli mourir. On est allé au Burkina, on est allé faire 3 jours. D'accord. Et j'ai remis le micro, il était empoisonné. Tu vois, sur la scène. Donc, c'est quelque chose de très, 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 très délicat. J'ai failli mourir. Je suis venu. Le jour, on ouvrait notre bar hypnotique. Parce que les gens ne savent pas, tu vois. Bon, aujourd'hui, je peux me le permettre de le dire. Hypnotique, c'était le bar d'Arafat, tu vois. Mais, au Burkina, hein. Non, hypnotique à zone 4. Mais nous, on était associés, tu vois. Moi, par exemple, j'étais associé dessus avec, on était 4 sur ce bar. Mais on a mis Arafat devant parce que c'est la star et c'est l'image, tu vois, qu'on voulait vendre. Donc le bar était pour Arafat. Le jour de l'inauguration de l'hypnotique, c'est ce jour-là que je fais un accident le matin, le même jour de l'inauguration, tu vois. Tu fais un accident où Arafat est mort, le même endroit. Même endroit. Ouais. Combien de temps auparavant? Moi, j'ai fait mon accident un mois avant. J'ai fait juste un mois en juillet. En jeu. En voiture, en moto? En moto. Ah, en moto aussi, pareil? Pareil. En moto. Et c'est difficile pour moi de t'en parler. C'est très difficile pour moi de parler ça. Tu vois, c'est une période très sombre de ma vie. Dans l'aéronome, les histoires des femmes, c'est pas trop votre truc. Hein. C'est à la fois que t'es un peu... Il le souhaitait tant. Mais vous, les membres, les lieutenants, vie sentimentale, c'était pas votre truc. Mais le temps ne permettait pas à cause du boulot. Je peux dire ça aussi, que le temps, par rapport à notre activité, c'était un peu le petit sacrifice qu'il fallait faire, tu vois. Parce que par rapport à ça, vu que c'est l'artiste et tout, lui, il peut être avec sa famille, tu vois. Mais nous, les hommes de l'ombre, on ne peut pas être avec nos familles, nos occupations familiales et aussi le côté professionnel. Tu vois, quand tu es professionnel, tu restes professionnel, tu ne mélanges pas l'affection familiale. Mais si sa vie sentimentale, vous avez votre mot à dire quand il faisait des choix? Jamais. Même quand il prend dans la poubelle, là, vous acceptez? Jamais, on est obligé. Jamais. Vous êtes comme des robots auprès d'Arafat alors. Ouais, on peut pas. Il y a certains trucs que tu peux pas. Je peux pas mélanger le côté affectif et professionnel. Mm-hmm. Sentimental, je peux pas. Il a le droit de choisir sa go. Là, quand il est dans sa chambre avec elle, ils sont en train de se mappler. Moi, je suis pas là. C'est ma place un peu là-bas. Non, mais tu peux croiser. Toi, tu peux connaître une fille, tu sais qu'elle n'est pas de moralité stable, et puis ton artiste veut d'elle. Mais comme, tu peux lui dire. Comme écoute, je veux le conseiller. Oui. Je lui dis attention à ta go là, ah, champion. Moi, il l'a vu la dernière fois, elle est morte plus longtemps. Mm-hmm. Fais attention. Mais pas venir te dire, il faut la laisser. Moi, non. C'est toi qui apprends ta décision. Il te dit juste. Prends ta décision tout seul. J'étais senti tout à l'heure véritablement irrité quand tu parlais du même lieu où tu as eu l'accident que ton frère. J'ai senti vraiment que tu as été vraiment bousculé. Ça t'a vraiment secoué tout à l'heure. Et je vois que tu l'aimes beaucoup. Ouais, ça me fait mal. 10 ans de ma vie quand même. Ouais. Tu vois, c'est quelque chose, c'est pas 10 jours. C'est, on a passé 10 ans tous les jours. Ensemble. Ok. Et bah, enfin bref, mais le premier producteur de Didier Arafat qui a fait sauter Arafat à la lumière, vous ne l'avez jamais honoré dans la Eurogang, Roland Le Bendis. Roland Le Bendis, c'est mon vieux père. À chaque fois que je le vois, je lui donne tous les respects que je lui dois. Et en fait, Roland Bendis, c'est quelqu'un qui est tellement sage et posé d'esprit, tu vois. Il ne voulait pas forcément se mélanger dans tout ce qu'il était, tu vois. Donc, il avait l'opportunité aussi de travailler à Ivoire TV Musique. Il était en train de développer son truc, tout ça, tu vois. Donc, je pense que ce que nous, on faisait et ce qu'il lui faisait, ce n'était pas forcément dans le même sens. Tu vois. Sinon, c'est quelqu'un de très posé qui nous a toujours aidés. La preuve avant qu'Arafat décède, la seule télé qui nous soutenait, qui nous a poussé, c'est Ivoire TV. Avec le concours de Défalé. Ah. 10 ans auprès d'Arafat. 10 ans, hein, en toute sincérité. Et regarde les caméras. Tu l'as accompagné combien de fois à faire Zamou? Jamais. Dans ce Arafat n'a jamais fait Zamou? Jamais. De la vie, moi, je l'ai accompagné à Arafat. Sur un marabout ou un féticheur ou aller même essayer de consulter l'avenir et tout. Non. Je le jure sur la tête de mes enfants. Mm-hmm. Jamais. Mais lui-même, il ne l'a jamais fait? Peut-être qu'il l'avait, mais c'est pas moi. Peut-être. Mais peut-être. Je sais pas. Ah. Mais avec moi, impossible. Mm-hmm. Impossible. Il ne fait pas Zamou. Mm-hmm. Ah. Mais Jeff Septera fait les amours, il va aller. S'il n'a pas dit ça, l'émission là, ça ne peut pas se finir. S'il ne va pas attaquer avant la fin de l'émission. Il a posé une question, tu es. Je pense que c'est là. Le vieux homme dans son milieu. Avec Alice, c'est ça, même. Tu sais comment il t'a fait ma soeur, non? Fais le monsieur là, il ne sait pas, il me guette. Jeff Septera, vous n'avez jamais fait amour. Alors, mais quand tu tombes dedans, comment vous dites ici là? Tu allais poser ta question des amours là, moi, on peut me laisser dedans.
Paris. Comme d'habitude, à la Conda, toujours en train de m'attacher ici, comme d'habitude. Alors, Ali Le Code, nous avons reçu aujourd'hui Ali Le Code, nouvelle chanson, nouveau maxi single. Je vois que Ali Le Code, il y a beaucoup de talent qui peut se développer en lui, il y a pas mal de choses et tout. Voilà, quelqu'un qui a beaucoup, il y a eu beaucoup d'amour pour son frère DJ Arafat, et je pense que peut-être que c'est cet amour-là qui fait que par moment il fait ses sorties, quand il voit des choses qui, ça l'irrite. Bon, c'est normal. Quand on aime quelqu'un, on n'a pas envie de voir sa mémoire, voilà, comme nous dans le temps avec Feu Duxaga. Je ressens des choses. Pourquoi? Parce que quand j'interviewe le petit frère, je me souviens un peu à la même période quand Doug était décédé, comment c'était difficile aussi cette traversée. Je souhaite beaucoup de courage à lui, beaucoup de courage, surtout beaucoup de courage. Merci. Et surtout, je prie que le Dieu, dans sa grâce, il t'ouvre les yeux. Parce que tu as besoin que tes yeux soient ouverts sur certaines choses. C'est très important. Donc, tu pries pour sa carrière? Oui, je prie pour sa carrière. Ça va, c'est pas un problème. Quand tant que toi, c'est une question de code déontologique. Alors, merci pour tout. Surtout, n'oubliez pas, Anaconda, sur Internet, parler, parce qu'il me fatigue. Non, je voulais demander à Ali, Ali Le Code, Ali Le Code, c'est quel code tu as? Mais c'est un code que l'armée française t'a donné que tu dois garder toi seul. En fait, le code, c'est plus pour les intimes, tu vois. C'est quelque chose que moi-même, si je veux t'expliquer, le code, c'est comme une matrix. Je peux pas t'expliquer. En tout cas, c'est pas un code de 36-15. Voilà. Non, c'est pas 36-15. T'as appuyé 10 gammes matrix. Avec ça, appuyé 10 gammes matrix. T'as pas, non. Alors qu'on est en 2022. D'accord. Comme ça. Voilà. Alors, Ali Le Code, on va te demander ton mot de fin. Ok, mon mot pour la fin, j'ai deux mots. J'ai d'abord une incitation auprès de tous les Chinois, tous ceux qui veulent que l'image de DJ Arafat pérennise, soit pérennisée et vive encore pour des siècles et des siècles, de soutenir la Fondation. Voilà, une grosse force à la Fondation, c'est eux qui peuvent nous sauver. Voilà. Maintenant, le deuxième mot de la fin. Voilà, je suis là aujourd'hui à Abidjan pour Eindondo. C'est mon nouveau single que je sors. Je demande à tous ceux qui peuvent me soutenir, qui peuvent m'aider à le faire. Voilà, aujourd'hui je suis seul, je m'auto-produis. Donc c'est difficile. On sait que la musique est très très difficile. Et voilà. Et c'est en place pour nous en téléchargement musical. C'est disponible l'audio en ce moment sur toutes les plateformes. iTunes, Deezer. Deezer. Et le clip le 8 janvier à partir de 20h, disponible sur YouTube. Sur YouTube, ok. Et celui qu'on voit, c'est pas le clip? Celui que vous voyez, c'est un teaser. Voilà, c'est un teaser. Le clip officiel sort le 8 janvier. Le 8 janvier, à partir de 20h30. Sortie officielle. 20h30, sortie officielle de l'album Ali Le Code, nouveau maxi, nouveau clip, en featuring avec Mabody. Featuring avec Mabody. Belle voix suave, belle femme aussi, vous allez voir un peu. Très grande chanteuse, voilà, elle a fait du sac ici, tout ça, elle défend la culture ivoirienne à l'extérieur. À l'extérieur. Voilà pourquoi je l'ai approchée, et avec elle, on est sur un projet, peut-être même d'album. Ok, voilà. C'est donc, le temps. Force à nous. Ok, alors, dames et messieurs, Ali Le Code, ici même dans Fafa, alors, il va aussi vous souhaiter belle heureuse année. Ali Le Code, tu peux souhaiter belle heureuse année quand même au Tessat. Pour tous les éditeurs de Ivoire TV, Ivoire FM 103.4, Happy New Year à tous. Longévité, santé de fer, et que Dieu fasse ce que cette année nous ramassions notre sac de milliards. Amen. 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 Restez couverts. Et la BMD à la fat là. Restez couverts. Allez, on est ensemble. Bon, c'est fini. Bienvenue.